L'histoire du jour nous emmène dans le nord, à Lourches précisément, pour, tenez-vous bien, un vol de cercueil. Oui, une famille a découvert que la maman, décédée il y a 41 ans, n'était plus dans sa tombe. Parce que le cercueil s'est volatilisé. Reportage de Sébastien Ambert et Bora Gerbas. L'histoire est à peine croyable. Il y a 4 mois, le frère de Dalila décède, brutalement. Dans ses dernières volontés, il dit vouloir être enterré avec sa mère. Celle-ci est décédée il y a 41 ans, c'était en août 1983, et elle est enterrée ici. Alors, en juillet dernier, les pompes funèbres préparent la tombe. Et là, stupeur, sous la dalle, il n'y a pas de cercueil. Ils arrivent ici, les pompes funèbres, ils creusent, donc déjà 70 cm au début, ils trouvent une bâche bleue, ils creusent, ils trouvent une bâche mortuaire, blanche, qui s'avère déjà 70 cm, c'est pas très légal au niveau de la loi, et pas de cercueil. Dalila et ses autres frères et sœurs n'arrivent pas à y croire. Pourtant, les pompes funèbres attestent dans un courrier officiel que le corps est posé sur la terre et qu'il n'y a aucune trace de cercueil, même dégradé. À l'époque, le jour de la mort de sa mère, Dalila se souvient bien d'un cercueil. Je me souviens, on rentre à la maison, je rentre de colonie, je rentre dans le salon. Ma mère est positionnée juste en face de nous, sur son cercueil. Sauf qu'à l'époque, la tombe n'est pas prête le jour de l'enterrement. Alors le cercueil est placé dans un caveau d'attente avant d'être transféré ici. Sauf que le jour du transfert, la famille n'est pas là. Et Dalila découvre aujourd'hui que l'emplacement est trop petit pour y mettre un cercueil. Ils me disent qu'à cet emplacement, il est impossible de mettre un cercueil. Avec vous le monument. 41 ans plus tard. 41 ans plus tard. Et puis ça n'est pas légal. Non, c'est interdit d'enterrer quelqu'un en pleine terre. Mais que s'est-il donc passé? Le fossoyeur de l'époque est décédé. Tout comme l'ancien maire de la commune, il n'y a plus de témoins. La famille a le souvenir que sa maman était dans un cercueil quand elle était mise dans le caveau d'attente. C'est le souvenir que la famille a. Et après, ce qui s'est passé entre deux, aucune explication. Dalila a porté plainte. Elle souhaite avoir un autre caveau pour y enterrer le corps de sa mère. Et cette fois-ci, dans un cercueil.